Ladies and gentlemen, and we are live. Bonjour, dickhead. Salut les Français. Cet épisode va être majoritairement en français, mais il y aura des parties en anglais aussi. Donc, il y aura des sous-titres pour les Anglais. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça en français. English speakers, there will be subtitles in English available on Thursday of this week. So, come back if you don't speak a lot of French, because this episode will mainly be in French. Mesdames et messieurs, it's time for another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. Happy hour? I'm not fucking happy. I'm angry. I'm always fucking angry. Hello, welcome back. Salut tout le monde. On est lundi le 19 avril et il est 20h. Et comme tous les lundis à 20h, je suis ici dans le studio avec un guest pour boire une bière et parler avec vous sur ce que vous voulez en fait. Et donc du coup, deux petits trucs avant de commencer le show. La première... c'est que, non, il y a juste un truc à raconter en fait, c'est que le show, comme d'habitude, est en deux parties. La première partie, elle est maintenant gratuite sur YouTube. La deuxième partie, elle est réservée exclusivement pour les gens qui me suivent sur patreon.com/Paul Taylor. Pour ceux qui ne savent pas, Patreon, c'est une plateforme pour les artistes un peu comme moi et mon guest ce soir pour pouvoir gagner de l'argent avec le travail qu'on fait. Et l'idée sur mon Patreon, c'est que vous pouvez me payer des bières virtuelles. Donc j'ai créé un système où soit c'est une demi-pinte, une pinte ou trois pintes. Et pour tous ces trucs-là, bah, vous avez accès à la deuxième partie de ce live, non seulement celui-là, mais tous les autres précédents qui se sont passés et tous ceux qui vont arriver dans le futur. Donc patreon.com/Paul Taylor. Et plus il y a de bières impliquées, plus vous avez des vidéos exclusives. Ladies and gentlemen, that is it. C'est le temps de ramener mon guest ce soir. Ladies and gentlemen, please go wild, go crazy. Faites un maximum de bruit pour Mathieu Bouguert. Yes. Come on, my friend. Hi, guys. Hello. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Je suis content d'être là. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Que tu fais quoi de ta vie? Pas que je parle à quelqu'un, ni que j'ai un micro sous ma bouche, ni qu'il y a une caméra, mais par contre que d'être en direct sur Internet. Ça, j'ai jamais fait. Voilà, bienvenue à direct sur Internet. Ouais, c'est très cool parce que les gens, ils sont en direct, ils peuvent poser des questions. Tu vois, par exemple, Connie qui dit « Whoop, whoop !»« Hello, Connie, whoop, whoop !» Et donc, si jamais tu vois une question que t'aimes bien, bah, tu peux poser la question. Enfin, tu peux me dire de... Ouais, c'est pas toi qui poses la question, c'est eux qui posent la question et c'est moi qui ramène ça à l'écran. Par exemple, Carlos Camero qui regarde pas mal des lives, il dit bonjour Mathieu Bouguert. Je sais pas pourquoi il dit aggressive seagull noises. Ah, parce que j'ai mon petit jingle, on dirait c'est des applaudissements, mais j'y peux rien. C'est pas de sa faute. Ce soir, we're drinking beer, ladies and gentlemen. Santé, cheers à la vôtre. So, comme je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas bu depuis 5 semaines et je bois une gorgée pour ton émission et je suis bien content que ça soit ici. Parce qu'il faut que tu manges. Donc, sachez aussi pendant le live que potentiellement un livreur va arriver avec de la nourriture. Parce que Mathieu, il n'est pas seul ce soir. C'est mon premier guest qui vient avec un entourage. There is an entourage que vous ne voyez pas, mais ils sont derrière le champ juste là-bas. Il s'agit de Marie qui travaille chez le label de Mathieu, tôt ou tard, c'est ça? Super. Je parlais de label, je parlais de tout. Les gens, ils savent même pas peut-être qui tu es. Oui. Donc, est-ce que... Présente-toi. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es là. Alors, ça, c'est pas évident, cette question. Présente-toi. Enfin, c'est pas évident. On pourrait la poser à qui que ce soit, à tout le monde, d'ailleurs. Alors, si je me présente, je dis je suis un homme de 50 ans. Alors ça, je le dis vraiment, c'est parce que c'est vous, parce qu'en général, c'est quand même tabou. Je suis français, je suis auteur, compositeur, interprète, j'ai écrit des chansons depuis que j'ai 12 ans, j'ai sorti mon premier disque à 24 ans, et là je sors mon huitième. Huitième disque. Ouais, et qui s'appelle En anglais, et je pense que c'est, ça, il doit y avoir une bonne raison pour être ici, enfin je veux dire si ça s'appelait par exemple en portugais, je ne pense pas que tu m'aurais invité. Enfin, tu n'aurais même pas été si, au courant. Je serais probablement pas au courant, mais moi j'aime bien toutes les langues, donc tous les gens de toutes les langues sont bienvenus s'il y a des gens portugais qui veulent être dans l'émission. Donc auteur, compositeur, c'était quoi la troisième? Interprète. Interprète. Voilà. In English we would say singer-songwriter, right? Singer-songwriter, exactly. Donc c'est quoi le troisième qui manque? Attends, auteur, compositeur. Mais c'est quoi la différence entre un auteur et un compositeur du L'auteur écrit des textes et le compositeur compose de la musique.
Donc il y a des compositeurs qui n'écrivent pas leurs textes et des auteurs qui n'écrivent pas leur musique. Okay. Moi, j'écris la musique, le texte et en plus je chante. So singer-songwriter, it should be singer-composer-songwriter or composer-writer. Oui, mais quand on entend songwriter, quand je suis en tant que français, quand j'entends un anglais qui dit songwriter, ça implique qu'il compose la musique aussi. Ok. Mais peut-être que je me trompe. Ah bah je sais pas. Dites-nous. Dites-nous les gens. Je regarde. Il y a déjà quelqu'un qui dit les balances entre les deux est trop grande. Oh, I'm on it. Technical Taylor. Let me. What plus fort? Ok, plus fort. Mathieu, I've got to put you plus fort. Ok. Merci. That's alright. That's alright. So Kelly Garcia says I was right. He looks like a music composer. Apparently, you look like a music composer. That's the way I dressed myself today because I knew I was coming there. But otherwise, I look like a butcher. But you look like a butcher. But I didn't wear my butcher clothes today. Mathieu, the interesting thing. So my first question is, I don't even know where to start. I guess the first question is, you live in London. Yes, but at that time I'm in between London and Paris, and I'm coming back in Paris in few months. Why did you move to London? Pourquoi t'es parti à Londres? Alors, tu veux que je réponde en français ou en anglais? Comme tu veux. C'est comme toi tu veux. Ok, bon, je vais faire plutôt français, mais ouais. Quand je le sens, je fais... Alors, moi, toi, tu aimes les langues, mais moi, j'ai le goût de l'aventure. Je pense que tu as le goût de l'aventure aussi. Donc, il y a tellement de réalité dans ce monde, tellement de rapports à cette vie, à ce monde, que dès que je peux goûter à d'autres, je goûte. Donc, j'aime les livres d'histoire, j'aime voyager, j'aime le cinéma, j'aime le... Et donc, j'ai eu une opportunité de vivre un peu à l'étranger quelques temps avec ma copine. Ça aurait pu être Lisbonne, ça aurait pu être Oslo, ça aurait pu être... fallait pas que ça soit trop loin. Et on a choisi Londres, mais j'attendais pas grand-chose de cette ville. En fait, j'avais un... c'est sympa. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des copains à moi qui étaient au collège, qui fantasmaient sur l'Angleterre, qui avaient sur leur sac sur leur school bag, ils avaient le drapeau, l'Union Jack, ouais. Tout ça, et des posters de groupes anglais. Moi, pas spécialement, donc c'était pas un jour j'irai en Angleterre, c'était pas ça. Donc je suis parti en Angleterre, un peu sans trop savoir ce que j'allais y trouver. Et t'es parti quand ? Je suis parti il y a presque 5 ans. Ok. Et ça devait durer qu'une année. Et puis en fait, comme j'ai absolument rien compris la première année, il n'était pas question de rentrer avant de comprendre quoi que ce soit. Comme j'ai absolument rien compris la deuxième, je suis resté une troisième. Et au bout là, j'en ai marre de rien comprendre, donc je rentre. D'accord. Là, tu rentres bientôt. Je rentre dans quelques mois, oui. D'accord. Donc, t'as rien compris et t'as décidé, ok, bah, je vais faire un album dans un truc que je comprends pas. Oui. Alors, quand je dis que je comprends pas, je parle pas de la langue. Même si j'ai bizarrement l'impression de mieux parler anglais, j'ai l'impression que je parlais mieux anglais avant de vivre en Angleterre que depuis que j'y vis, ce qui est assez étrange. Ouais, mais je comprends parce qu'il y a pas mal de Français qui me disent ça parce que français, l'anglais que vous apprenez à l'école ou en France, c'est très édulcoré, ça se dit. C'est watered down. Bravo. C'est un mot que j'ai utilisé hier pour la première fois. Il est parfait. Et je l'utilise parfait. Deux fois en deux soirs. Voilà. Édulcoré. Édulcoré means watered down, right? Genre un peu. Oui, non? D'accord. Oui, oui. C'est ça. Water. Il y a de l'eau dans l'édulcoré. Comment on dit? Comment on dit édulcoré in English, people? We'll find out in a second. Édulcoré. Et donc oui, quand ils partent en Angleterre, ils se rendent compte que l'accent là-bas, peu importe où tu es en Angleterre, oui. Il est tellement fort. Que on n'apprend pas le slang, on n'apprend pas la façon de parler. Mais c'était un peu comme moi avant de venir en France, où j'ai appris le français, j'avais travaillé à l'accent. Mais en arrivant ici, je ne comprenais rien. Ça m'a pris des années à comprendre le verlan, comprendre la partie... Toutes les références aussi. Oh ben les références, je les comprends toujours, toujours pas. Raquel Regal, diluted, that's the word I was looking for. Thank you, Raquel. C'est une prof d'anglais, Raquel. Donc, diluted, watered down, ok. Une prof d'anglais qui a peut-être un dictionnaire sous les yeux, on ne sait pas. Hein. Ouais, c'est peut-être une fausse. Oui. ouais, c'est ça, watered down, toned down, c'est ça. Et donc, on apprend, moi, je trouve ça... Enfin, on n'apprend pas du tout la langue quand on apprend la langue étudiée à l'école. Donc, tu te sens que tu parles moins bien anglais qu'à l'époque. Oui, alors c'est aussi parce que le fait d'avoir vécu chez toi, je peux dire ça. Ouais, ouais. Et ben je me sens en demande quand je suis dans un pays, chez quelqu'un, j'ai mis mon fils à l'école, à state school locale. Je me sens, j'ai une position de... Voilà, je suis chez quelqu'un. Et du coup, ça me complexe inconsciemment. Ça fait que quand je m'adresse à des gens... Je ne suis pas dans la même confiance qu'ici. Donc, si je parle à un anglais, par exemple, sur un télésiège à Courchevel, je pense que je lui parlerai mieux
que si je lui parle dans Hyde Park sur un banc, quoi. Ouais, intéressant. Parce que je n'ai pas la même position, le même statut. Ouais, parce qu'à Courchevel, tu es en France et tu as des repères autour de toi. Non, c'est pas que les repères, c'est que je suis plus en confiance parce qu'il vient ce qui est chez moi. Donc, il est en demande et du coup, je me sens plus, moi, je me sens mieux. Et donc, quand je me sens mieux, ça sort plus vite. Intéressant. Tu vois, je crois, hein, parce que j'ai jamais testé les deux, mais je pense, je me suis toujours dit ça. Moi, ce serait intéressant de se reparler une fois que tu reviens en France. Tout à fait. Et parce que moi, je trouve ça étonnant que tu dises que ton anglais, tu as l'impression que tu es moins à l'aise qu'avant. Ouais. Mais par exemple, toi, là, nous sommes en France. Ouais. Donc, on a parlé un tout petit peu anglais. Et c'est vrai que je pense que je suis plus à l'aise à parler avec toi anglais ici parce que tu vis dans mon pays. Que si cette interview, on la faisait à Londres, ça serait exactement le même lumière, le même truc. Je pense que je me sentirais un petit peu, hein, plus en danger. Un tout d'accord, petit peu. Intéressant. Et ce danger-là... Et bah surtout que les gens qui regardent, la majorité, c'est des Français, enfin des gens en France qui regardent aussi. Donc, tu vois, il y a des gens qui ont un peu la même chose. Fabrice, il dit, on apprend l'anglais parlé à la BBC, comme le français parlé aux journaux télévisés. Les accents régionaux ne sont pas appris à l'école. Ce qui est fou, parce que la BBC, maintenant, ça fait plusieurs années, enfin, ça fait au moins 15 ans qu'ils font exprès d'avoir dans leur, je ne sais pas comment on dit, leur news anchor, the newscasters. What do you mean by anchor? The people that present the news, the people that read the news. News readers. Genre les Anne-Claire Coudray ou les Gilles Boulot. Présentateurs des JT. Ouais. Des JT. Ils font exprès maintenant d'avoir une diversité d'accents et de gens aussi. C'est pas que des hommes blancs. Parce qu'à l'époque, c'était « Hello, welcome to the BBC okay, ». Okay. Et c'était toujours des hommes blancs. Et maintenant, il y a des femmes, il y a des gens de races différentes. Et il y a surtout des accents vraiment du Nord, de Pays de Galles, de l'Écosse et tout ça. Donc, ils font exprès un peu pour add diversity into the thing. Ok, chouette. Je sais pas si je me comprends. Tu disais... que ton fils est à l'école, oui, en Angleterre. Dans une state school. Donc, en fait, en Angleterre, quand on dit une école publique, quand on dit une public school, c'est pas juste, ce n'est pas une école publique française. Une public school, c'est une école privée. Donc, c'est bon, bref. Donc, ouais, il est dans l'équivalent d'une école publique. Donc, voilà, donc une école gratuite du quartier. Il ne parlait pas un mot d'anglais avant de rentrer. Il est rentré au CP, donc en year one. Ok, donc tout début de l'école, ouais. Voilà, et c'est vrai que la veille au soir, j'étais un peu, je culpabilisais, j'ai mis dans quoi je le mets, mais tout le monde m'avait dit, tu verras, ça se passe bien. Et puis, 2 mois après, j'ai été le chercher, voilà, sans qu'il ne savait pas que j'étais là, j'étais dans la cour, je suis arrivé un peu plus tôt. Et d'un seul coup, j'entends, « Hey, please, give me the ball, the red one !» Je me tourne et je le vois, c'était lui, et je ne reconnaissais même pas sa voix, c'était un autre personnage. Ah, il avait un accent. Carrément, je me suis mis à pleurer, enfin, ça m'a beaucoup touché. Et donc voilà, il s'est complètement intégré, beaucoup plus que c'est moi. Cool. Il adore quand je lui demande qu'est-ce qu'il a dit là. Il me regarde et me dit. Ah ben, il est tout fier de savoir, de parler mieux français. Moi, quand j'étais petit en France, c'était pareil avec ma mère qui parlait pas du tout, beaucoup moins français que toi, anglais. D'accord. Et donc, du coup, je crois que c'était. Moi, ça me faisait plaisir à chaque fois quand elle savait pas un truc et je lui enseignais ou je lui apprenais. Je sais pas c'est quoi le verbe correct, enseigner ou apprendre. Oh, that's another debate. Est-ce qu'il a un uniforme? Oui, l'uniforme, un petit uniforme. Bonneville Primary School. I love it. Parce que tous les Français se foutent de ma gueule en mode « Ah ouais, vous, les écoles en Angleterre, c'est comme Harry Potter pour de vrai, vous avez votre uniforme. Ouais. » Et je dis « Ouais, mais c'est parce que, je sais pas, moi je connais pas autre chose, mais ça c'est bizarre pour des Français. Ben, » c'est bizarre pendant une semaine, puis après ça devient bizarre quand on arrive en France et qu'on voit des hordes d'enfants habillés différemment. Donc en fait, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, est-ce que c'est mieux, moins bien, je sais pas, mais en tout cas, le côté bizarre, ça passe très vite, ouais. En tout cas pour moi. Mais un peu moins pour les ados. Parce qu'autant des petits-enfants avec des uniformes, ça va, mais des ados qui commencent à être un peu dans la puberté, qui ont envie d'être dans la séduction, c'est des uniformes en général qui ne sont pas très bien coupés. Non. Et puis, on voit des ados comme ça, avec des boutons, et puis des uniformes avec des trucs. Bah, c'est surtout que comme ça coûte cher, du coup, tu prends le jacket le plus grand, et ça dure un an et demi, et donc ça commence trop long. Il y a une période où ça se passe bien, et ensuite, c'est trop court. Mais ouais, c'est vrai que... bah, comme tous les ados, on essaye de trouver notre truc, notre style. C'est plus avec les chaussures chez nous. Ah, d'accord, parce que c'est le seul truc qui est personnalisable, c'est les chaussures. Et puis pour les filles, bah, c'est les, si tu as le droit, les bijoux. Oui, ah, d'accord, ok.
Les bijoux, ouais, c'est ça. Ouais, c'est les marrant parce que quand je prends le métro, je vois tous les gens différents. J'imagine que tous ces gens ont été à un moment donné en uniforme. Ouais. Et c'est marrant, j'y pense assez souvent. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Quelqu'un m'a dit, ouais, est-ce que tu penses que c'est parce qu'en Angleterre, vous portez des uniformes à l'école que vous êtes si exubérant. Je sais pas si c'est le mot. On a les cheveux verts, on a des trucs bizarres par rapport aux Français où... Enfin, c'est typique à Paris que tout le monde est en noir ou blanc ou gris ou bleu foncé. Il n'y a pas trop de couleurs. Et s'il y a, les Français jugent. Enfin, les Parisiens sont là. Je dis les Français jugent. Les Parisiens jugent. Et à Londres, on a un peu moins ça, mais peut-être parce que tellement on a été formaté dans notre uniforme quand on était jeune qu'on veut se lâcher un peu adulte. Alors là, voilà, si je peux me permettre. Ouais. Là, tu viens d'évoquer quelque chose, par exemple, où j'ai dû passer à peu près 275 heures à me poser cette question. Ouais. J'exagère pas. C'est-à-dire pourquoi les Anglais seraient plus excentriques? Pourquoi telle liberté dans l'art, dans la musique, en l'occurrence? Pourquoi c'est beaucoup plus créatif et beaucoup plus moderne, ce qui se passe musicalement en Angleterre depuis longtemps, par exemple? Est-ce que c'est parce que tous ces chanteurs de rock et de machin, ils étaient tous en uniforme, du coup, quand ils les ont lâchés? Donc, des fois, je me dis, oui, c'est ça. Puis, en fait, je regarde des fois dans le métro, puis je trouve que tous les gens sont habillés pareil. Donc, il y a des gens excentriques, mais il y a aussi beaucoup de gens... Je suis dans un quartier entre Brixton et Clapham, donc dans le sud de Londres. Des fois, les gens, j'ai l'impression de les avoir croisés au carrefour d'avant, mais en fait, non, c'était pas le même, mais ils sont tous pareils. Oui, ouais, c'est donc vrai. Il y a aussi un paradoxe entre des gens qui se ressemblent énormément, et j'ai été un peu chez des gens, ce qui est assez rare, mais j'ai pu rentrer chez des gens, et j'ai trouvé que c'était pareil chez tous les gens. Donc, des fois, il m'arrive de me dire tout le contraire, de me dire « Ah, quand j'arrive à Paris, les gens sont habillés différemment. Ouais. » Alors qu'en Angleterre, ils sont tous en noir, tous en gris, et tous en blanc. Ouais, c'est ça en fait, je crois que c'est juste on a l'habitude de là où on habite. Et quand on va ailleurs, c'est assez différent, c'est pas pareil c'est quelque chose ouais, que je me posais des questions. Ça me fait penser à une autre question que tu te posais, parce que j'ai regardé aussi ton mini-documentaire qui est sur la chaîne YouTube. Faut aller voir le petit documentaire. J'ai dit petit documentaire parce qu'il ne dure pas une heure et demie. C'est un truc hyper stylé sur la chaîne YouTube de Matthew que je vais mettre sur l'écran en ce moment. Si tu vas dans vidéo, c'est la deuxième vidéo la plus récente qui s'appelle Matthew. Et il dure 20 minutes et c'est un documentaire où tu vas dans les... Enfin, on t'explique un peu pourquoi tu as créé cet album en anglais, en fait. Oui. Et que tu te retrouves dans des bars avec trois personnes. Ouais. Et il y a une question dedans où tu te poses la question de pourquoi les gens, ils sont comme ils sont et puis j'arrive pas à... Et t'es dans le métro à côté d'une femme pendant que tu dis ça, en fait. Ouais, ouais. Et je trouve ça très drôle. Elle comprend rien. Enfin, je crois. Alors, la question que j'avais, la deuxième question qui était, que j'avais oubliée, c'est pourquoi en anglais? Pourquoi t'as décidé de faire un album en anglais? Alors, en fait... Parce que t'en as fait 7 en français. Tout à fait. Voilà. Et là, c'est ton album... Voilà. Donc, en fait, si je refais un peu le retour arrière, je suis arrivé en Angleterre et je me suis dit que tous les gens autour de moi, mes voisins, les gens que je croise, les parents d'élèves de copains de mon fils, ne me connaissaient pas déjà, bon... Mais surtout, si jamais je leur avais chanté une de mes chansons, ils ne l'auraient pas compris. Et je me suis senti vraiment complètement inutile, transparent. Enfin, donc j'ai un exemple que j'ai dit une fois dans une interview. Je dis, c'est comme si mon métier, c'était de fabriquer des chaussures et que j'arrivais dans un pays où les gens n'ont pas de pieds, où ils étaient que pieds nus. Tu vois, okay, d'un seul coup, je me dis, mais en fait, tu te réveilles le matin, tu te dis, mais en fait, tout ce que je fais, les gens n'ont pas... Ils n'ont pas de... Il n'y a pas de valeur à ce que je fais. Je me suis senti vraiment un peu inutile et voilà. Oh. Marie's in the background. Elle est arrivée la bouffe. Nice. Okay. All right. Au cas où vous pensiez que c'était un ninja qui passait en arrière. Ouais. J'ai eu peur personnellement. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire une première chanson en anglais, mais sans d'ailleurs avoir le projet forcément d'aller taper à la porte de mon voisin et lui chanter, mais au moins d'avoir trouvé un langage qui puisse créer un lien avec mon environnement. Et au bout d'une chanson, je me suis dit, allez, chiche, je fais un disque comme ça en entier, sachant que j'aime bien pour chaque disque, il y a un cadre, des contraintes, j'aime bien fixer des limites comme ça, un cadre dans lequel évoluer, c'est très stimulant. C'est presque, enfin, pour moi, dans ma tête, c'est un peu pareil que les spectacles d'humour où tu as un thème, et après, il y a des digressions, mais il y a ce truc-là, et que, enfin, moi, le premier spectacle que j'ai fait en France, c'était cette limite de, bah, il faut qu'il soit 50 français, 50 en anglais.
Et donc, je me suis posé dans ces trucs où j'avais peut-être des blagues qui fonctionnaient bien, mais c'est genre, ah, j'ai trop fait de français là, il faut que je reviens vers l'anglais, donc c'est cool. Est-ce que, pour donner une idée aux gens qui n'ont pas encore écouté ce nouvel album, ouais, parce que ça commence avec un A, donc il faut dire nouvel et pas nouveau album. Tout à fait. Est-ce que t'es chaud pour faire une des chansons? Oui. Right, let's do it. Ladies and gentlemen, Mathieu Bogaerts is going to play one of his English songs for us. Alors. I can't see your smile, and I don't know why. I can't see your smile. I just see a tear coming from your eye. I can see it here, nearby. But I'm sorry, my dear. No, I don't know why. I can't see your smile. I've been waiting for a little bliss. Waiting and waiting for a long time, something I miss. But I've seen nothing, nothing on your lips. Nothing on your lips. I can't see your smile, and I don't know why. I can't see your smile. I just see a tear coming from your eye. I can't see it here, nearby. But I'm sorry, my dear. No, I don't know why. I can't see your smile. Oh, yes, round of applause. Oh. Ah oui, ça fait du monde. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Très cool. Hey, j'ai vu des commentaires pendant que tu jouais. Celle que souvent j'imagine que tu as comme commentaire sur cet album-là. Carlos Camejo, il dit « And I love the French accent in English. Holy shit. Est-ce que... parce qu'il y a énormément de chanteurs et de musiciens français qui font des chansons en anglais, ouais, mais qui chantent avec un accent un peu américain. Est-ce que tu t'es posé la question 270 fois comme l'autre question de qu'est-ce que tu allais faire avec cette chanson, enfin cet album? Est-ce que tu allais forcer l'accent? Est-ce que, enfin, l'accent américain, est-ce que tu allais jouer avec ton propre accent? Parle-nous de ça. Alors en fait, moi quand j'écris une chanson, pourquoi j'écris une chanson déjà? Alors je me dis, mais pourquoi si j'écris une chanson? C'est parce que j'ai vraiment envie de sortir de moi des sentiments, de formuler des choses en musique. Donc voilà, donc, et de le faire avec un langage personnel, que ça soit, voilà, ma façon d'exprimer ce que je ressens. Donc prendre un accent, par définition, ça n'est pas possible, parce que accentuer quelque chose, ça serait déjà fausser le postulat de départ. Donc il faut absolument que ça soit naturel. Donc écrire dans une langue étrangère, a priori, ça ne peut pas être naturel vu que ce n'est pas ma langue maternelle. Mais malgré tout, comme je parle relativement bien ou mal anglais... Très bien. Et en plus, avec un accent très charmant, ouais, comme beaucoup, ouais, de gens. Donc du coup, je ne peux pas forcer, je ne veux pas forcer. Donc je trouve ça musicalement intéressant, ces mots anglais qui n'ont pas été inventés pour être dits comme ça, chanter dans la bouche d'un Français avec ma culture de Français. Je suis Français, je ne me suis jamais senti aussi Français depuis que je vis en Angleterre. Et du coup, par exemple, si je dis... I've been waiting for a little bliss. Voilà, c'est un son particulier. Ouais. Je pourrais faire I've been waiting for a little bliss. Je pourrais faire comme ça. Ce serait drôle. Waiting for a long time, something I'm. Tu vois, je peux faire. L'impression que quand je fais ça, c'est pas moi, quoi. C'est je fais semblant. Et je trouve ça intéressant. Little bliss, ça n'existe pas en français, le mot bliss. Et je trouve qu'il a une sonorité qui me plaît. Donc, c'est l'occasion d'utiliser des sons et des couleurs différentes. Bah, ce que j'ai remarqué dans l'album, c'est que t'as des rimes, justement, avec des mots comme bliss. Je ne me rappelle plus celui que j'ai entendu et je me suis dit, ah, ça, c'est malin parce que t'as fait rimer le prochain truc avec un son qui n'existe pas en anglais. Aussi, enfin, les sons... Non, c'était un peu dans le sens où... je me rappelle plus, j'aurais dû noter la partie, mais c'était incroyable où je me suis dit, ah ouais, ça c'est malin, t'as utilisé... Parce que t'as des petits mots français dans tes phrases. J'en ai un dans tout le disque. T'en as un? Et d'ailleurs, c'est un mot qui est français, mais qui est utilisé en Angleterre. C'est rendez-vous.
qui est un mot français, mais qui est utilisé en Angleterre. D'ailleurs, je l'ai écrit dans le livret de la façon dont vous l'écrivez, vous, c'est-à-dire R-E-N-D-E-Z-V-O-U-S, mais sans pause entre les deux mots, alors qu'en français, on écrit rendez-vous. Yeah. Ok. Mais tu sais, rendez-vous. Rendez-vous. Okay. Rendez-vous. Ok. So, j'ai trouvé ça marrant de prendre un mot français. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que moi, quand, là, je fais rimer bliss avec un I've been waiting for a little bliss. Waiting on something I miss. Bon, là, ça rime. Bliss and miss en anglais, ouais. Ouais. En fait, ma réflexion, c'était ça. C'était avec l'accent, ce que ça rajoutait, c'était des rimes qui n'existent pas tout si tu n'as pas l'accent français. Bien sûr. Je me suis mal exprimé. Comme mais souvent. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Mais ouais, c'est très cool. Donc, t'as eu ce... Je trouve ça assez... Moi, j'ai eu le problème inverse quand j'ai commencé dans l'humour en France, parce que ça, c'est mon vrai accent français. Et quand j'ai commencé dans l'humour français, ça marchait pas. Personne rigolait. Et j'étais obligé de me faire un accent britannique quand je parle français pour avoir la crédibilité que j'étais anglais sur scène pour dire drôle. Oh, je suis anglais et voici les choses. Et au bout de quelques minutes, je disais bon, j'arrête de vous parler avec cet accent. Ah, c'est drôle. Parce que, ça marche bien, tu vois, je rigole. Oh, second ninja, there's another ninja in the house. Je me rappelle plus. Oui, donc ouais, c'est ce côté avoir sa propre identité quand tu chantes. Alors laisse-moi lire parce que je vois plein de trucs. Ouais. Et je dis rien. Allez, ask the questions now, ladies and gentlemen. C'est marrant parce que Mathieu n'est pas le premier Français que j'entends dire avoir l'impression d'être faux en essayant de s'éloigner de la prononciation ultra-française. Ok. Alors ça c'est un fan à moi. Je sais pas si tu vois la particularité de son nom. Si, bah c'est mon nom à l'envers. Ouais, donc il verlanise le nom. Thuemas Gaertbou. Gaertbou, ouais, tout à fait. Et ensuite, il verlanise la tête aussi. C'est-à-dire qu'il met le menton sur la tête et puis les cheveux sur... ouais, c'est... Food's in. Marie is back. Ok. En fait, ouais, Mathieu, il n'a pas mangé du tout. Et il ne voulait pas trop boire sans manger parce qu'il est responsable. Mais comme je suis très pro, j'ai bu. Quelqu'un qui s'appelle Tabarnak Dastid Corlis. Tabarnak Corlis, là, j'aime pas avec l'accent qu'on a dit de ceux. Et Milo. Ça da ce. Il dit, j'ai une question, pourquoi les anglophones aiment quand les Français parlent avec un accent français en anglais? Ça m'intéresse, c'est une question que je pourrais poser, je la pose. Ouais, bah moi, c'est pour moi, c'est pareil que... Que l'inverse, en fait. Pourquoi les Français, vous trouvez ça charmant quand il y a un Anglais qui parle avec l'accent... Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Voilà, ça j'adore. Ouais, mais pourquoi? Alors c'est intéressant, je sais pas, mais je dirais que le fait que ça soit quelqu'un qui se réapproprie une langue étrangère, ça lui donne un statut et ça lui donne un... Sans parler même du son du français qui est différent et qui serait plus joli ou plus... Enfin, qui aurait un charme esthétique. Le fait de savoir... Quelqu'un fait pipi dans la pièce. Le fait de savoir que... De sentir que c'est une langue qui n'est pas maîtrisée, c'est un charme d'un truc un peu fragile. C'est comme « Je ne veux pas travailler ». C'était un tube c'est vrai. Pink Martini. « Je veux seulement oublier ». Ouais. Et donc, c'est un charme exotique. Après, je ne sais pas ce que produit mes chansons. Ce qui est marrant, c'est qu'une fois les chansons terminées, j'ai joué dans des clubs à Londres. J'ai fait pas mal de concerts. Ça marchait assez bien, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que les gens comprenaient? Comment? Quel charme ils y trouvaient? Qu'est-ce qu'ils aimaient? Qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas? Qu'est-ce qu'on comprenait? Par exemple, dans ce que je viens de chanter, est-ce que je pense pas qu'un Anglais aurait écrit cette chanson? C'est ça qui m'intéresse. Ce que je trouve marrant, c'est que moi, comme je suis français, j'écris pas de la même façon qu'un Anglais. Et du coup, c'est qu'est-ce d'avoir d'écrire une chanson, de produire, pardon, fabriquer une chanson en anglais, mais qui aurait été, qui serait pas dans la tête d'un Anglais. Ouais, ouais. C'est hyper intéressant ce point-là. Ouais, moi, je pense que c'est la même chose quand j'entends un étranger qui parle anglais. Ouais, c'est charmant parce que c'est un peu... Quelqu'un avait dit... Maed dit c'est exotique. Je suis assez d'accord avec ça. Mais je trouve qu'en France, il y a plus ce complexe d'accent que nous, on a en anglais. Nous, c'est juste... Ouais, on parle avec un accent. On sait qu'on est nul avec les langues. Ouais. Mais avec les conversations... Sauf toi.
Ouais, mais moi je triche parce que j'ai passé quelques années en France quand j'étais petit. Donc mon accent, je suis assez doué avec les accents. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, on n'est pas complexé. On sait qu'on est nul en français et donc ou en espagnol. Et quand on parle, c'est même pas une question où entre nous on se dit ah ouais, mais si quelqu'un parle bien espagnol avec un accent ou bien français comme moi sans accent. Les autres Anglais, ils sont là, waouh, ouais. Putain, comment t'as fait, c'est ouf, c'est génial. En France, c'est plus, ah ouais, tu te la racontes, hein, avec ton petit accent, là, c'est quoi ça? Et du coup, vous avez un complexe, je trouve, les Français plus que les Anglais sur les accents. Ouais. Sûrement. Je sais pas, là, je t'avoue que je me suis pas posé la question, je sais pas. Si tu le dis, je te crois. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué, mais après, ça se trouve que it's complete bullshit. Est-ce que you can have some a little bit of food if you want. Ça me gêne un peu de manger devant les gens, mais je vais quand même goûter. Mais non, ouais, prends un petit peu et puis entre toi. Sinon, je vais m'évanouir. Je vais répondre à quelques questions pendant ça. Erwan Barron says l'accent anglais est chic. Peut-être. Moi, j'aime pas ça, mais parce que j'ai trop fait un effort pour pas l'avoir justement. There we go, sushi. Merci beaucoup. What else is going on, ladies and gentlemen? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Rémi Drouin, il y a pas un côté mignon de quelqu'un qui apprend une langue comme un enfant, qui apprend et fait des fautes de français peut être mignon. Alors la phrase, Rémi, j'ai du mal à comprendre le sens. Mais je crois que tu veux dire que c'est mignon que quelqu'un qui a un accent est un peu comme un enfant qui apprend la langue, si j'ai bien compris, Rémi Drouin. En plus, le nom, il est tellement français. Rémi Drouin. Drouin. Ouais. Drouin. Merci. Je vais juste en manger, hein. Je vais pas dîner devant vous quand même. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas mangé de la journée. Donc. Non, mais prends ton temps. Hein. Okay. En tout cas, oui, il y a un côté enfantin, un peu naïf, un peu... Voilà, un peu... Oui, je pense que ça participe. Tabarnak, redis, c'est quoi ton tips pour améliorer notre accent? Oh, dude! J'en ai raconté dans mon premier spectacle un tips pour améliorer ton accent anglais si tu es en train d'apprendre l'anglais. C'est d'arrêter de... Enfin, de... Don't give a shit about what other people think about your accent. Voilà, décomplexe-toi sur les gens qui vont dire « Ouais, tu te la racontes avec ton accent. » Si déjà, ça, c'est un étape important... J'en parle tous les jours avec ma femme qui a un accent français quand elle parle anglais. Et à chaque fois, elle me dit « Oh, j'aimerais bien avoir l'accent de telle personne qu'on vient de voir à la télé qui parle bien. » Et je dis « Mais tu peux le faire, l'accent. » Parce que quand elle m'imite, elle fait « Oh, hello, my name's Paul, bottle of water, hello, hello. » Et je lui dis « Bah voilà, tu l'as, l'accent. Si tu veux, tu te forces, tu l'as. » Elle dit « Ouais, mais ça sonne ridicule. » Je dis « Non, ça sonne comme moi. » Et donc c'est... L'imitation aussi. Pour moi, c'est comme ça que j'ai appris à parler avec les accents différents. C'est imiter cet accent, moi tout seul chez moi. L'espagnol, c'était le cas. Je ne suis pas natif espagnol, mais à la maison, je lisais des trucs en espagnol. Hola, muy bien. Et j'étais obligé. Je ne sais pas si toi, tu as des tips avec l'accent. Non. Mais en vrai, on s'en fout. Du moment où c'est compréhensible, c'est ça le point pour moi. T'es pas obligé d'améliorer ton accent si t'es compréhensible. Après, si on a du mal en tant qu'anglophone à comprendre ton anglais juste à cause de l'accent, là, il faut peut-être le travailler. Je dirais, faut parler lentement. Bien découper les mots. Amélie Bor, des fois, quand je regarde une série, je répète... ce qu'ils disent les persos en anglais, ha ha ha, j'adore. There you go. And I don't know why you're laughing. It's not funny. That's what you should be doing. Just to yourself, to your cat. If you've got a cat, speak to your cat. Mm-hmm. Perlipo. Il faut copier les autres pour reproduire un accent. Oui, c'est vrai. Ouais. Kelly Garcia, Mathieu, question random. T'as un chat par hasard? Par hasard, j'imagine. Alors, j'ai qu'un bazar, donc je ne peux pas avoir un chat par bazar. Parce qu'il y a écrit, t'as un chat par hasard. J'ai eu beaucoup de chats. J'ai eu une époque dans ma vie où j'avais, vous n'allez pas me croire, 17 cats in the same time. Shut up. Yeah. 17 cats. Yeah. Mais tu n'étais pas dans une grande ville.
Non, j'étais dans un Nogent-sur-Marne, c'est en banlieue est parisienne. Mais c'était des chats qui vivaient dans notre maison, mais qui ne rentraient pas dans la maison, qui étaient dans le jardin. Donc ils nous appartenaient, mais qui étaient. Voilà, on n'avait pas le soir à table 17 chats. C'est ouf. Ouais. Et est-ce qu'ils avaient tous un nom? Oui. Il y avait Abdoul, Bébert, Médor. Abdoul, on va commencer avec Abdoul. J'adore le nom d'un chat qui s'appelle Abdoul. Ouais, et Médor, c'est pas mal. Ça, c'était Médor. Parce qu'en fait, tu sais pas, mais Médor, voilà, ça, c'est un truc de référence. Ouais. Médor, c'est vraiment le nom que donnent les Français aux chiens. C'est vraiment. Si jamais d'accord, tu c'est prends... un peu comme Spike. Nous, un nom typiquement de chien en anglais, c'est Spike. Voilà, donc il y en avait un cat called Spike. Okay. Et puis, et Bébert, qui était mon préféré. C'est fou, ça. C'est une drôle de question. Enfin, c'est une question random. Alors, j'adore toutes les questions. Donc, bah voilà. Toutes les questions que vous voulez, posez des questions à Mathieu Lola. Vraiment. Attends, je rêve ou tu as fait l'accent québécois? Ouais, j'ai fait l'accent québécois. Ça me sort de temps en temps. Parce que l'anglais qui parle français avec l'accent québécois. Oh, ben là, cette affaire-là. Hey, Mathieu, c'est un honneur de t'avoir sur mon live show, là. Ok. J'ai vécu au ça, Canada. Du fond du cœur, ça te sent comme ça. Quand tu penses fort comme ça, du fond du cœur. Du fond du cœur. du fond du cœur. Je t'ai dit ça. Okay. Bah dans je sais pas dans peut-être dans 10 minutes j'ai un pote qui s'appelle Rowley qui est canadien qui est humoriste à Montréal, on est potes depuis longtemps et puis tous les lives il ramène sa sauce québécoise pour nous montrer un peu des trucs québécois donc je crois qu'il a un petit truc préparé pour toi dans quelques minutes il est pas super. Encore là mais on va voir ça what else do we have quoi d'autre comme question pour Mr. Matthew. Je dis Matthew parce que j'aime bien dire les noms de gens français en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Il faut avoir une bonne vue. Vous ne vous rendez pas compte, mais l'écran est loin de nous. Et c'est vrai que je m'aperçois que tu as une bien meilleure vue que la mienne. Ah bah ça aide que j'ai des lunettes. Sûrement. Parce que là, c'est vrai que les questions, je n'arrive pas trop à les lire. All right. Let me find some questions. What are the questions? Come on, people. Questions. All right, here we go. Le bel isme poétique. Le bellisme poétique, il s'appelle Bruno, il a un livre, je fais sa promo, il m'a envoyé son livre qui n'est pas encore sorti mais qui sort bientôt, Bruno Cournier, le bellisme poétique, et des très beaux poèmes, des belles poèmes, des beaux poèmes. Ouais. Qu'il habite à Londres aussi, mais il est français, il dit « Pourquoi Annie à Clapham Common ?» Alors, Annie c'est la chanson. Alors, Annie, c'est une des chansons du disque, et j'ai fait un clip effectivement à Clapham Common, donc à un quartier du sud de Londres. Alors en fait, c'est un quartier qui est près du mien. J'avais envie pour ce clip, parce que c'est un clip que j'ai réalisé, d'avoir une ambiance très vite quartier, parce que l'histoire de cette chanson, c'est Annie, c'est un peu le fantasme que j'aurais eu. Je parle donc au conditionnel du je sais pas quoi. Linguistiquement. Voilà, c'est un fantasme sur une femme qui serait mariée, que j'observerais comme ça, et qui serait donc inaccessible, et sur laquelle je fantasmerais. Et c'est une chanson sur là, est-ce que je vais au bout de mon truc ou est-ce que j'abandonne? Et j'avais envie d'une ambiance de quartier, d'une vie de quartier, qu'on sentir un truc un peu tous les jours, un peu quotidien. Oh, voilà. Let me mute that. Je mettais juste les images à côté. Et il a bien reconnu que c'était Clapham Common, à mon avis, il habite à côté. Tout à fait. Parce que moi, j'aurais dit n'importe quel parc à Londres, Victoria Park. Mais il y a une séquence à la fin où on reconnaît plus. Ah, d'accord. Ça, c'est dans ma rue. Dans ton jardin, j'espère. Non, c'est même pas dans ton jardin. Non. Tu t'es installé dans le jardin de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais j'ai demandé l'autorisation. Ah oui, ok, d'accord. T'es pas juste. ça aurait été drôle. Donc, Clapham Common, that's why. Voilà, après, ça aurait pu être une autre vie de quartier. Enfin, je voulais pas que ça soit ce quartier en particulier, mais je voulais que ce soit un quartier, qu'on sente une vie de quartier. Et comme c'était près de chez moi, c'était bien. Bah ouais, c'est facile. Et moi, j'aime beaucoup le côté. Enfin, j'adore les clips. Les différents clips tous tournés à Londres, moi ça me fait triper comme disent les Québécois parce que ça fait longtemps, ça fait je crois un an et demi que j'ai pas été en Angleterre avec le Covid et tout ça, et ça fait 12 ans que j'ai pas vécu, enfin que je suis parti de Londres. D'accord. Donc moi j'aime bien voir les images de Londres et dans d'autres registres en fait, parce que soit je regarde les actualités. Mais c'est un peu boring, c'est « This is what happened today, Prince Philip has died ». Et on voit un peu Londres, dans un truc artistique, c'est vraiment sympa de voir ça. What else? Lucas, random question, what's your favorite movies or series? C'est impossible de dire une série. Alors, ma série préférée, attention, ça va faire vraiment très français ce que je vais dire.
C'est Antoine Doinel. Alors Antoine Doinel, c'est un personnage de fiction qu'a inventé François Truffaut, donc François Truffaut, cinéaste de la Nouvelle Vague. Et en fait, il a fait un truc vachement bien. En 1959, il a filmé Antoine Doinel quand il avait à peu près une douzaine d'années. C'était l'histoire d'un enfant un peu avec des parents qui ne l'aiment pas trop. Il a eu la Palme d'Or avec ce film, Les 400 coups. Donc c'est vraiment un tube du cinéma français. Et puis, 4 ans après, il a eu l'idée de reprendre ce personnage et de faire un autre film. Donc lui, un peu plus adolescent. Puis 5 ans après, enfin, donc il y a 5 films entre ses 12 ans et ses 30 ans. Et donc, c'est toujours ce même personnage. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une série à proprement parler, ouais, sur Netflix ou je ne sais pas quoi, mais c'est quand même une série. Et c'est un personnage très attachant. Et c'est joué par l'acteur français qui s'appelle Jean-Pierre Léaud. D'accord. Donc, tu ne connais pas. Non, moi, je suis nul. En fait, ce n'est pas parce que je ne suis pas français non plus. Mais je non, suis nul en référence. Mais non, tu n'es pas mais nul. Je suis nul en référence. Non, dis pas que tu es nul. Eux, ils nul. Savent. Je suis nul en référence. Film, série, musique, bouquin dans tous les pays. Je ne sais pas. Okay. C'est à cause de mes parents. On peut pas tout faire à la fois. En tout cas, ça, c'est vraiment. Voilà, donc ceux qui connaissent, ils sont là, oh, ils connaissent pas ça, ils se foutent de toi. Ouais, mais à mon avis, qui dans les commentaires connaît cette œuvre, voilà. Cette œuvre. Antoine Doinel, joué par Jean-Pierre Léaud, Les 400 coups, Jean-François Truffaut, 1959, qui connaît? Lève le doigt. Yeah, exactly. Je vois pas de doigt. Non, parce que ça prend quelques secondes. Renaud Chauvin dit, les sushis sont pas bons parce que t'en as mangé. Alors, alors très franchement, les sushis, si jamais je me laisse aller à mon instinct, j'arrête de parler, je mets ma tête dedans, donc j'ai faim, mais je le fais pas par respect pour vous, parce que sinon on me voit manger comme ça et c'est vrai que ça fait un peu une machine à laver, c'est pas très bon. une très bonne question en fait, Monajin, comment vous vous êtes rencontrés? Bah c'est là, il y a 45 minutes. Dans un sauna. Dans un sauna. Dans un sauna finlandais. On était à poil et on s'est échangé de numéro de téléphone. En fait, c'est quelqu'un avec qui moi je bossais chez Canal+, qui s'appelle Pascal. Shout out Pascal si tu regardes. Et il a quitté Canal+, il travaille chez Brut maintenant. Et il m'a dit qu'il aide aussi ton label tôt ou tard. Ok. Et je connais pas. Enfin, je vois tu, pas toi, toi, tu connais pas Pascal personnellement? Pascal Aznar. Ah d'accord, ok. Et donc, merci Marie. Ouais. Et donc il m'a dit, j'ai regardé ton live, je trouve ça cool. Mathieu, il sort un album en anglais, je pense que ça pourrait être cool qu'il vienne sur le live. Et j'ai dit, bah, of course. Donc voilà, mais en vrai, on s'est rencontrés il y a 45 minutes, une heure. Alors, c'est marrant parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était pas, il n'y a pas très longtemps, je faisais une interview en direct sur France Culture. Ah ouais? Il y a un mois et demi. Et tu as été interviewé. Alors, ne me dis pas que c'est pas toi. Parce que là, si, à France Culture, ouais, j'ai fait deux ou trois trucs chez eux, mais pas récemment. Mais c'était un truc enregistré. Oui. Voilà. Et pendant que je faisais l'émission, j'écoutais toi qui répondais à une interview, c'était la même. Et j'ai dit, oh, c'est marrant. Et la journaliste m'a dit, oh, mais c'est un hasard. Ah ouais. En fait, tu parlais vraiment de. En fait, du coup, une fois que ton truc est passé, je savais plus quoi dire, tellement t'avais tout dit. Mais c'est drôle. Ouais, c'est. Les... ouais, non, mais c'est drôle. Et puis en fait, on a les mêmes problèmes dans la vie parce qu'en arrivant, Mathieu, il avait un casque, je sais pas où il est, mais c'est un casque d'une moto City Scoot que je prends moi aussi assez souvent. Les City Scoot, c'est les scoots partage à Paris où il y a une application et normalement tu laisses le casque dans le scoot pour la, la personne d'après. Mais des fois, il déconne, il marche pas et le scoot à Mathieu n'a pas marché. Donc, the sound check au début, au lieu d'être bien, ça a duré 5 minutes. Mais c'est bon, le sound était parfait pour la chanson. Merci de me rappeler cette histoire de scooter, j'avais complètement oublié. Il faut que tu envoies un email à City Scoot, ouais, pour leur dire. Alors, attends, on annule tout, je vais mettre sur l'ordinateur, excusez-moi, j'ai des emails à envoyer. Mais du coup, ils vont sûrement dire oui, mais vous avez gardé le casque, donc en fait, ouais, ça compte pas. Je peux le prouver d'ailleurs. Ah ouais, en plus, il est assorti à ton t-shirt. This is not an advert. C'est pas une pub pour City Scoot, mais des fois. C'est vrai qu'on peut croire que comme ça on raconte, on raconte n'importe quoi. On aurait dû commencer le live comme ça. Des fois on dit comme ça, on raconte n'importe quoi, mais c'est juste pour prouver que c'est vraiment vrai quoi. Quand fais-nous une chanson, t'as une chanson. Ah bah j'ai une chanson qui est tout à fait appropriée. Ah, c'est vrai. En plus, ça. I like the blue. I like the green, I don't like to choose in between. I like the two, you
see what I mean? I like the blue and all the color I've seen. I like the blue sky and the sea. I like, I do, I like this tree. Am I crazy? Orange is nice, and so is yellow. I can't make my choice from my window. No better is no, a good word for me, by the rainbow. I like to be, and I like the white light of the moon. I like the black night coming soon. Am I alone? Singing in my bedroom. Cause I like the blue sky and the sea. All is so beautiful to me. Am I crazy? Yes, today I do. I am crazy about this view. Oh, ladies and gentlemen, Mathieu Bogaerts! Oh, vraiment, le casque a tout fait là. C'était. Ah, j'ai tout donné là. C'était magique. question? You speak good English, right? Not really. I won't say good English. Je pensais, if you would have asked me this question before living in London, I would have said yes. And now I'll say so-so. Yeah, I think your English is good. Okay. And there's a thing that we do on the show every week when I have French guests or English guests, and we do like a language challenge in the opposite language. Okay. Where the people, the good people of the internet, share their favorite expressions. This time in English. Okay. And then we see if you know what they are. We translate them literally. We find the actual French equivalent. Okay. And we have some fun with some expressions. Ladies and gentlemen, I'll play the jingle. It's time for Express. Oh, you've got something interesting to say, do you? Well, go on, say it. Say it in English, dis-le en français, and we'll see if it's interesting. All right, let's hear it. Ladies and gentlemen, your favorite English expressions for Mathieu. And we'll see if we can have some fun. We always have fun with your expressions. They're always great. Okay, here's one that I don't know. I'm not wet behind the ears. Tu la connais, celle-là? Alors, non. Alors, donc, si je traduis littéralement, je ne suis pas humide derrière les oreilles. Alors, j'y vois un truc sexuel, mais c'est peut-être parce que je suis français. Sûrement. C'est possible. Eh, moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais ouais, je ne suis pas mouillé derrière les oreilles ou pas humide. Toi, tu as choisi humide et pas mouillé. Ouais. Parce que c'est quoi la différence en français entre humide et mouillé? Parce qu'en anglais, wet and wet, humid isn't wet. Humid, pour nous, c'est the humidity. Quand tu vas dans un pays comme Dubaï, tu dis c'est humide, it's humid. But wet, quand on dit la bière, est-ce que la bière elle est mouillée ou est-ce qu'elle est humide? Est-ce que la bière est humide? Ah non, ça, c'est une super question. Meilleure question. Si je fais tomber ma bière sur la table, est-ce que la table est mouillée ou est-ce qu'elle est humide? Elle est mouillée. Alors la différence, je dirais que quelque chose qui est mouillé, c'est quelque chose qui ne l'était pas avant. Par exemple, mon pantalon est mouillé. Ok. Donc, ça veut dire qu'il était sec avant. Ok. Mon pantalon est humide. On peut penser que mon pantalon est toujours humide. Par exemple, et ça sous-entend un truc exemple, dégueulasse. Par exemple, oui, tout à fait. Ce qui est totalement faux. Donc, humide derrière les oreilles. Mais là, du coup, c'est en tant que linguiste, t'as dit, donc sont mouillés, parce que souvent derrière les oreilles, c'est pas mouillé. Donc là, du coup, ce serait... Pas que je sache. Anyway. Never mind studio, I don't know what this means. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Et entre-temps, on va choisir un autre exemple, une autre phrase, parce que j'ai aucune idée. Right, here we go. Pot calling the kettle black. Ça, tu connais? Ouais, ça, je la connais. Ouais. C'est con parce que juste avant, j'allais dire que si je trouve, je mange un sushi, mais là, je vais pas le manger, mon sushi. Alors, pot calling, alors déjà, pot. Pot, c'est quand j'entends pot, je pense à de la marijuana. Ouais, c'est un synonyme, ouais, effectivement. Ok, mais c'est pas ça. Pot,
Un pot aussi. Ouais, c'est plus une casserole. Non, pot calling, je comprends. Même en termes de grammaire, pot calling. Ouais, alors il manque un peu une petite. Un kettle, c'est pour faire de l'eau chaude. C'est ça, une bouilloire. Une bouillotte, c'est ce que c'est ? Une bouillotte, c'est une espèce de petit. De choses comme ça dans lesquelles on met de l'eau chaude pour se réchauffer quand on dort. Quand on est... C'est ça. Une bouillotte. A hot water bottle, on appelle ça. I didn't know about that. So, the pot calling the kettle black. C'est une phrase qu'on utilise souvent quand on va dire. C'est que quelque chose est hypocrite. Quelqu'un est hypocrite. Ok. Si tu dis. J'essaie de trouver un exemple là tout de suite. Si tu disais. Ouais. En gros, je dirais à quelqu'un, yeah, you're like the pot calling the kettle black. Imagine une casserole qui dit à la bouilloire, ouais, t'es noir. Parce qu'en vrai, lui-même, il est noir. La casserole, elle est noire. The pot calling the kettle black. It's the pot black. Calling the kettle black. Qui dit, enfin, je sais pas, le verbe calling. Aujourd'hui, je suis nul en tout. Et ça, c'est ma première bière en plus, qui est même pas encore finie. Calling, to call somebody something. C'est le verbe complet. Ok, donc ça veut dire... D'accord, j'ai compris. Je ne sais pas comment on traduirait... En français, ça serait... Appeler, ce n'est pas appeler, parce que c'est un faux... Tu vois ce que je veux dire, c'est... En attendant, la phrase d'avant, c'était « I wasn't born this morning », donc « not wet behind the ears okay. », ça veut dire que tu n'étais pas né ce matin, qui veut dire... Je ne suis pas naïf. C'est ça, okay. Exactement. Je ne sais pas s'il y a un équivalent français de ça. Je ne suis pas né de la dernière pluie. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. C'est joli, j'aime bien l'air. Ouais, pas né de la dernière pluie. The pot calling the kettle black. I've got to find somebody. Traiter quelqu'un, oh, thank you, Rolly Assal. Traiter quelqu'un de quelque chose. Donc, c'est la casserole qui traite la bouilloire oui, d'être noire. Ok. Je ne sais pas s'il y en a... Un équivalent en français de ça pour dire t'es hypocrite. À part dire t'es hypocrite. Si, c'est pas le truc de l'hôpital qui se fout de la charité. Ah oui. Ah oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Merci Ninja 2. Merci Ninja 2. Ouais, l'hôpital qui se fout de la charité. In French, we would say it's the hospital making fun of the charity. Because that doesn't make sense. But I love it. Okay, let's do one more. Right, here's a good one. Ian Devine. Does the Pope shit in the woods? Alors après, j'ai une histoire drôle. ok. Does the Pope shit... Donc, je comprends ce que ça veut dire. Donc, est-ce que le pape fait caca dans les bois? Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, déjà, je pense pas. Enfin, premier degré, est-ce que le pape fait caca dans les bois? J'en doute. Donc, ça veut dire que c'est... A priori, c'est comme si tu dis... Et ma mère, elle s'appelle... C'est la reine d'Angleterre. C'est drôle. Le côté... je te donne un exemple de quand on dirait okay. ça. Moi, je dirais... Alors, imagine que je suis en train de parler avec un pote et il me dit... ouais, alors Mathieu, son album qui s'appelle En Anglais, il est en anglais. Et moi, je dirais... Mate, does the Pope shit in the woods? Okay, et là, il dirait quoi? Et là, il dirait, okay. Là, il fermerait sa gueule, en fait. D'accord. C'est une façon de dire, bien sûr, c'est oui, évident. Okay. Souvent, on peut remplacer Pope, celui qui est plus catholique, entre guillemets, c'est un ours. Does the bears shit in the woods? C'est une façon sarcastique d'accord. de dire, bah, évidemment. Sarcastique, bravo. C'est ouais, sarcastique. De dire, le vodka que tu es en train de boire, il est fort ou pas? Mate, okay. Does the Pope shit in the woods? Of course it's strong. Alors moi je dirais et ta mère elle est forte. Mais bon, ça pourrait être mal pris. Mais c'est une vraie expression, c'est et ta mère elle est forte. Non, et ta mère c'est par exemple quand on te pose une question puis que c'est évident, tu peux dire je sais pas tu t'as été au cinéma hier et ta mère elle a été au cinéma. Ça veut dire oui, j'ai été au cinéma. Okay. Mais quoi que pas vraiment en fait. Non. J'adore. C'est quoi ? Des poules auront des dents, non. Ah, quand les poules auront des dents, non. Nous, l'expression the ninjas in the back had a suggestion about when quand les poules auront des dents in French when chickens will have teeth is the English equivalent of when pigs fly. Nous on dit quand les cochons when pigs fly when pigs have got wings.
Yeah, blah blah blah. When pigs fly, quand les cochons voleront, ouais, dans le futur. Okay. Conditionnel. C'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est marrant, j'adore. Right, well good. Bah, en fait, ça c'était. C'est... Merci pour les expressions. On les a pas encore eues. Ouais. Pope shitting in the woods. C'était quoi ton préféré là-dedans sur les trois? Moi, j'aime bien Pope shitting in the woods. Je sais pas pourquoi. Le coup de l'humidité dans les oreilles, ça a son charme aussi. Hey, on parlait tout à l'heure de québécois et l'accent québécois. Toi, t'es assez fort avec l'accent québécois, j'ai l'impression. Alors moi, je m'aperçois que à chaque fois que je voyage et que j'arrive dans un pays, j'adore les accents. Donc, avant d'aller au Québec, j'aimais pas l'accent québécois. Avant de vivre un peu à Berlin, j'aimais pas l'allemand. Avant d'aller vivre à Bruxelles, j'aimais pas le flamand. Je trouvais que c'était laid. Et en fait, quand j'approche et que je suis dans le pays, j'adore. Et maintenant, j'adore le flamand, je trouve ça hyper beau. L'allemand aussi, et l'accent québécois, je trouve ça hyper beau. T'as vécu un peu là-bas ? Non, mais j'ai été à de nombreuses reprises. Ouais. Voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai l'oreille musicale. Donc, les accents, je les entends. Et puis, je suis imbattable. Peut-être que tu me battrais, mais ça faudrait qu'on teste. Je suis dans la rue, puis quelqu'un parle d'une langue. Et je dis, ah, lui, il est somalien. Ah, lui, il est turc. Ah, lui, il est israélien. Ouais, moi, j'y arrive avec l'anglais, mais pas forcément le français. Tu vois, moi, j'ai du mal à distinguer entre le belge et le suisse. Ah, l'accent français... Je parle pas de quelqu'un qui... Non, je parle pas d'un accent, je parle d'une langue même. Tu vas reconnaître les langues. Ah, pardon, une langue en général. Ouais. Oui, ouais, je dirais à 60%. Mais je suis à 67, ouais. Mais bon, je parle. Ouais. justement, en parlant québécois, il y a mon ami Rolly Assal, qui vient du Québec, humoriste basé à Montréal, qui va nous rejoindre. Enfin, il était là, mais il s'est barré. Donc, sympa. Je sais pas où il était, il était là. Et j'étais prêt à l'ajouter à l'écran. Il est pas là, Collis. When pigs fly, voilà, pigs might fly when pigs fly. C'était bien le truc correct. Well, that was, ça c'est une belle transition vers rien. Voilà, that's how we roll. People are like, oh tabarnak, Rolly, we miss you. Yeah, we all miss him. Where is he? Attends, je vais l'envoyer un texto. Comme ça, tu peux manger Allez, un peu. Pose sushi texto. Yeah, exactly. Where are you? Where are you, Cordis? What else is going on, ladies and gentlemen? What are the questions? Il dit go. Bah, je peux pas. Rolly, t'es pas dans le... Reconnecte-toi. Ça fait un an qu'on fait ça ensemble et... et il dit je suis là. Bah, déconnecte-toi, reconnecte-toi. Parce que moi, je te vois pas dans mon petit écran. Léa, Léa. Du coup, pour celui-là, il va falloir les écouteurs parce que du coup, comme le pas son, il va sortir pour pouvoir... C'est mon deuxième casque que je mets devant l'écran. Sauf que celui-ci est plus approprié. C'est quoi la différence entre écouteurs et casque? J'imagine que écouteurs, c'est quand tu les mets dans tes oreilles et casque, c'est par-dessus. Because we just call them headphones. Wow, alors ça, c'est une question. Je pense que tout écouteur, donc un casque, enfin, tout l'écouteur, c'est écouter un écouteur. Donc, toute forme de casque est un écouteur. Okay. Tout écouteur n'est pas un casque. Ça, c'est philosophique. Ça, c'est un casque. Et un écouteur, c'est un écouteur, mais... Oh, there he is. Tout le monde a compris. Ouais. Bien sûr. Rolly Assal, here he is. I'm going to add him to the left of the screen. Rolly Assal, hello, my friend. Comment ça va? Sacrement de marde, de calice. Est-ce que tu nous entends? Oui, oui, moi je t'entends. Vous m'entendez, vous autres? Ouais, moi je... Je fais des blagues, mais je peux pas me retenir. Oui, on s'entend très bien. Right. T'étais où, non, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est que je me suis dit, je vais aller chercher un truc à boire. Je suis allé chercher mon gin. J'ai sorti de mon bureau. En revenant de mon bureau, j'ai accroché le fil de l'Internet avec mon pied. Le modem a déconnecté. Tout a lâché. C'est de la merde. Okay. Ah. Bon, est-ce que ça valait le coup pour le gin? Est-ce que tu t'es fait un gin? Oui! Oui! C'est un nouveau gin que j'ai acheté. Le gin Canopé. Un gin forestier qui vient de Louisiane. Québec, je savais pas qu'il y avait une Louisiane au Québec. Ah ouais, moi non plus. Je pensais qu'il y avait pas Louisiane, excuse. Louisville. Louisville, Québec. Ouais, Louisville, ça m'étonne pas qu'il y ait Louisville au Québec. Donc voilà, Mathieu, enchanté. Enchanté. Comment on dirait enchanté? Est-ce qu'il y a une expression locale pour dire enchanté? Pour dire. Oui, c'est enchanté. Non, mais on dit enchanté, enchanté. On dit. Heureux de faire ta connaissance, Collis. Content de faire ta connaissance, content de te rencontrer. Ok.
Ok. Ouais, un peu. Moi aussi. Ouais, ça c'est le seul truc qui est pareil. C'est similaire. En français, français, okay. Français, québécois. Rowley, qu'est-ce que tu nous as préparé? Oh, aujourd'hui, Mathieu, on m'a dit que tu étais un excellent auteur, compositeur, interprète, musicien, qui était bon à la guitare. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, les gens aiment ça dans le live, de chanter des chansons québécoises avec un bel accent français, avec, avec des belles paroles du Québec. Je me suis dit, pourquoi pas te faire interpréter des chansons québécoises? Alors, oui, mais non. Ou alors, mais oui, c'est-à-dire que mais oui. Je ne connais pas, oui, mais je ne les connais pas les chansons. Comment veux-tu que j'interprète? Je te tutoie. Comment veux-tu que j'interprète une chanson que je ne connais pas? Ce qu'on va faire, Mathieu, c'est que je vais écrire dans le chat le refrain. J'ai trois chansons devant moi, donc je vais écrire dans le chat le refrain de trois chansons que j'ai choisies. D'accord. Et tu n'as que les paroles. Tu n'as pas rien en termes de tempo, de mélodie ou quoi que ce soit. Okay. Tu lis les paroles. Et tu interprètes de la façon que tu veux, avec le tempo que tu veux, le ton que tu veux, le style que tu veux, cette chanson. Et par la suite, ce qui est drôle, c'est qu'on écoute la chanson originale et je te chante le refrain avec la chanson originale. Et on regarde si tu es de près ou de loin de la chanson originale. Je m'y engage. I love it. Donc voilà. Asti, j'aime ça. Tout est facile. J'aime ça. Rolly, je like. Put the first song in the chat. J'ai besoin d'un truc particulier. Ouais. Aujourd'hui, deux règles québécoises en termes de la façon dont on prononce certains trucs. Mathieu, on n'écrit pas comme ça au Québec, mais parfois on a tendance à prononcer des trucs du genre. Donc, je le mets dans le chat. Et comme tu peux voir, j'ai écrit... ça s'en vient. Ouais, ça, c'est juste ça. Ouais, there we go. Right, there we go. Je vais donner un exemple. On utilise énormément l'apostrophe pour raccourcir certains mots, pour raccourcir la terminologie des mots. Par exemple, j'ai écrit se laisser, S apostrophe laisser, se laisser. Donc, tu vois, donc au Québec, on a tendance à enlever souvent la lettre E pour raccourcir. Je paye, je paye, parce que l'apostrophe remplace le E. Donc, souvent, en musique, tu vas pouvoir entendre des paroles de cette façon. Okay. Et la deuxième règle, aujourd'hui que je vous apprends officiellement à tout le monde, c'est que parfois, en québécois, le mot « je », c'est le seul mot qu'on prononce en verlan au Québec, parce que parfois, « je » devient « euj ». Ah bon? « Euj ». Alors qu'on Paul, pas en tu, toi-même, t'en étais... Point. Je vais te donner un exemple. Moi, j'étais pas au courant de ça, ouais. Ça, c'est du verlan québécois. C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est la première fois que t'entends ça, mais Paul, tu l'as souvent prononcé sans t'en rendre compte. Je te donne un exemple. Ouais. Je suis allé à la pharmacie. Je suis allé à la pharmacie. Je suis allé à la pharmacie. T'as souvent entendu « je savais pas ». C'est subtil, mais c'est important pour l'exercice d'aujourd'hui. Et j'ai choisi une première chanson pour toi, mon cher Mathieu. Je vais mettre les paroles et je vais te les lire avant que tu les chantes. Donc, je les mets dans le chat et je te les lis à la québécoise. Paul, tu me dis quand c'est là? Ouais, attends, j'arrive. Ça prend quelques secondes, celle... here we go. Oh my God, that's a long... Right, there we go. Saskatchewan, tu m'as pris ma femme. Elle m'a crissé là pour un gars de Regina. Saskatchewan, tu m'as pris ma femme. Depuis qu'elle est partie, moi, je t'ai un gars fini. Take it away, Matthew. J'ai une question sur... Juste une question. Ouais. Saskatchewan... C'est un prénom? C'est une province. Comme Regina, ou une ville plus. Okay. C'est une ville, exactement. Saskatchewan. Saskatchewan est l'une des 10 provinces du Canada et Regina est la capitale de la Saskatchewan. Saskatchewan, tu m'as pris ma femme, elle m'a crissé là pour un gars. Regina, Saskatchewan, tu m'as pris ma femme. Puis qu'elle est partie, moi j'étais un gars fini. Oh, nice! Love it! Mais c'est plus, hallucinant! Comment rendre une chanson si belle et si émouvante? Je trouve ça impressionnant. Bravo! Bravo! Merci. Parce que l'original, mon Mathieu, vas-y, on voit. C'est ça!
Je pense que j'ai gagné un sushi, si je peux me permettre. Je pense que oui. Alors l'original va comme suit. Saskatchewan, tu m'as pris ma femme. Un mot crisello pour un gars de Regina. Ah ouais, c'est vraiment une chanson. Saskatchewan, tu m'as pris ma femme. Oh, pardon, excusez-moi. Depuis qu'elle est partie, colisse de tabarnak de colisse, moi j'suis un gars fini. Ah ouais, c'est beaucoup plus long. Moi je pensais que là, honnêtement, moi j'ai cru que ça allait être genre un truc de rap. Mais là, pas du tout. Et franchement, la version de Mathieu, elle est beaucoup, elle est meilleure. Je bon, pense que je t'envoie un sushi. Mon La deuxième chanson, je l'ai choisie parce qu'elle a été une des chansons les plus rassembleuses au Québec, surtout pendant une période où le hockey était important en termes de playoffs, qu'on appelle les playoffs de hockey, que c'est très important. C'est une chanson qui vient d'un film qui parle de hockey. Est-ce que tu es prêt, Mathieu? Oui, mais j'ai une petite question. Sur la, dans le texte précédent, il y avait le mot crissé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je t'ai crissé là. Ouh. Paul, je te laisse lui définir le mot crissé. Ça veut dire larguer. Ouais, larguer dans ce sens-là. D'accord. Tu peux dire je l'ai crissé dehors. Je l'ai. Ça vient je l'ai foutu. Ça vient. C'est un truc. C'est un truc du de l'église. Le Christ. Ah d'accord. Crissé dehors. Souvent les jurons québécois, ouais, c'est avec l'église. Ouais. Donc là, c'est Chris. Souvent, ils disent « Ah, Chris de Corlis ». Ouais, donc c'est devenu un verbe. « Crisser quelqu'un dehors », ça veut dire « foutre quelqu'un dehors ». D'accord, très bien. Merci. J'aime bien savoir ce que je chante quand même. C'est juste pour ça. Rolly, second song. La deuxième chanson va comme suit. Tu me dis quand c'est à l'écran? Yes. Ah non. On y va un peu plus festif, Mathieu, pour cette chanson. On est un peu plus festif. On te lâche pas. On est encore là. Fidèle au poste, prêt au combat. Les chums, c'est fait pour ça. On est trop fiers, les boys. Pour se laisser faire, on est trop frères, les boys. À la vie comme à la guerre, on est trop fiers, les boys. Rolly, tu sais faire des points? Ou ta ponctuation, ton bouton de point, il est pété sur ton clavier? Je peux mettre des points. Parce que là, on comprend rien. Non, mais en fait, à chaque fois qu'il y a une majuscule, c'est un comment qu'on appelle ça en poésie? Un nouveau vers, une nouvelle ligne? All right, all right. Je vais faire avec ça. All right. Oh, c'est un pro, c'est un pro. On te lâche pas, on est encore là, fidèle au poste, prêt au combat, des chums, c'est fait pour ça. On est trop fiers, les boys, pour se laisser faire. On est trop frères, les boys, à la vie comme à la guerre. À la vie comme à la guerre. Oh yes! Je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement honorable d'avoir pris cette chanson et de l'avoir donné un petit côté plus jazzy comme ça, parce que l'original, mon Mathieu, ça ne ressemble pas à ça. Alors, la chanson originale, elle va comme suit, interprétée par Éric Lapointe. On te lâche pas, on est encore là, fidèle au poste, prêt au combat. Les chums, c'est fait pour ça. On est trop fiers, les boys, pour se laisser faire. On est trop fiers, les boys. À la vie comme à la guerre, on est trop fiers, les boys. Un peu plus rock. Un peu, ouais. Tabarnak, esti de Corlis dit Mathieu, tu nous fais rêver. Voilà. C'est oui, c'est magnifique. Plaisir. Merci beaucoup. Et moi, je préfère les deux de Mathieu pour l'instant. Je pense que oui. Mais en même temps, jusqu'à chaque fois qu'on joue ce jeu avec quelqu'un qui joue de la guitare, je préfère l'interprétation libre de. Donc, il est bon ce jeu. Next song, what's the last one? Et la dernière chanson, c'est celle avec quoi j'ai le plus de plaisir. Elle est peut-être un peu difficile, mais je m'en fous, on la fait pareil.
Donc il y a un sushi en jeu. Il y a un sushi en jeu. Et je vais mettre des points juste pour faire plaisir à Paul qui comprend pas quand il n'y a pas de ponctuation. C'est juste à l'écran quand on met le truc, on comprend rien ce qui se passe. Alors, tu me dis quand c'est à l'écran? Yeah, I'll put it up. Hold on. Attends une minute. Voilà. Voilà. Alors, ça va. Je porte une grosse fur coat dans ma jacuzzi. Ma vie a changé depuis que j'ai un jacuzzi. Je mange des onion rings dans ma jacuzzi. Chaque jour, c'est Noël, puis je paye point de taxe. Wow. Je porte une grosse fur coat dans ma jacuzzi. Ma vie a changé depuis que j'ai une jacuzzi. Et je mange des onion rings dans mon jacuzzi. Chaque jour c'est Noël, puis je paye point de tox. Tox, 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 j'en paye point. Oh, ladies and gentlemen, oh, wow. Round of applause. Oh. Bravo. Bravo, parce que c'est la première fois que j'entends cette chanson interprétée et que ça me donne le goût de faire l'amour. Parce que normalement, quand j'écoute cette chanson, ici au Québec, on a le goût de faire le party. Parce que la chanson va comme suit. Et j'ajoute le refrain, en plus original, et ça va comme suit. J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Je porte une grosse fur coat dans ma jacuzzi. Ma vie a changé depuis que j'ai un jacuzzi. Je mange des onion rings dans ma jacuzzi. Chaque jour c'est Noël puis je paye point de taxe. Oh. Pip 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 pip. Oh, I don't have the sound effect. C'est ouais, ok. Donc, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, ce qui est marrant, c'est que si j'avais... je dis un truc un peu sérieux, d'accord? Deux secondes, petite pause sérieuse. C'est que là, j'ai improvisé un truc, mais si jamais je prenais cette chanson telle qu'elle est, avec cette même mélodie, si je la chantais moi, elle ressemblerait beaucoup plus à ça, même si c'était cette mélodie. Suis-je clair? Donc là, j'ai inventé des mélodies, ouais. Mais si je prenais les mélodies originales, si je les chante avec ce que je suis... Ça aurait beaucoup plus ressemblé à ce que j'ai fait que à ça. Non, je suis pas très clair. C'est-à-dire que là, en dehors de la mélodie que j'ai inventée, il y a surtout mon rythme naturel. Ouais, exact. Voilà. Donc voilà, c'était la petite minute info. Ouais, mais non, mais c'est hyper intéressant. Je me demande si t'avais d'autres instruments que la guitare, si t'aurais embarqué dans un autre. Une autre dynamique ou un autre tempo. Si j'avais une guitare électrique, par exemple, si j'avais une guitare avec une saturation et si je jouais, ça faisait... ça aurait forcément sollicité autre chose en moi. Ça donne envie d'avoir un autre son. Voilà. Et si j'étais dans un endroit qui résonne beaucoup aussi, par exemple, ou si j'étais avec une blonde plutôt qu'un blanc, plutôt qu'un loup, je pense que ça aurait vraiment changé aussi. Mais bravo pour cette interprétation. Je pense que j'ai vraiment apprécié les trois versions originales de Mathieu. Voilà. Bravo. MB. Rolly, thanks very much, my friend. Ça me fait plaisir, toujours plaisir. On t'a manqué parce que tu n'étais pas là la semaine, enfin il y a deux semaines. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait un moment. Bah écoute, on se reparle très vite. Bah la semaine prochaine déjà. Mais on se voit la semaine prochaine. Yes, merci pour le petit jeu. C'était fort agréable. Ça me fait plaisir. Ciao, baby. Salut, merci. On se voit tantôt. Salut, merci Mathieu. On se voit plus tard. Ciao. Ladies and gentlemen, Rolly Assal. Ça c'était cool. Ça c'est la fin de la première partie du show. De la première partie, comme j'ai dit au début, si vous n'étiez pas là, c'est la partie gratuite sur YouTube. La deuxième partie sur patreon.com/paultaylor, où souvent c'est beaucoup plus intime parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui regardent, genre divisé par 10. Donc vous posez vos questions et puis on apprend vraiment à connaître notre guest. Et entre temps, Mathieu il peut finir ses sushis et la bière. Et puis, sachant que là j'ai fait quelques blagues, j'ai raconté quelques trucs, mais quand ça va être payant, je vais vraiment beaucoup plus te dire de trucs. Yes. Ça serait beaucoup plus drôle. Je vais raconter des trucs, je vais chanter mieux.
Voilà, c'est vraiment, vraiment se passer une fois que c'est payant, bien entendu, c'est normal. Love it. Patreon, on se voit dans 5 minutes. Les autres, si vous ne suivez pas sur Patreon, Mathieu, c'est où qu'on peut te retrouver? Déjà, ton nouvel album qui est sorti sur toutes les plateformes de musique, en disque aussi, qu'on peut acheter, j'imagine. Tout à fait. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Bah, il s'appelle En Anglais, et mon nom, c'est Mathieu Bogart, M-A-T-H-I-U, B-2-O-G-A-R-T-S. Mathieu with one T, avec un T. Voilà. Moi, j'ai Apple Music, donc j'ai les chansons. Si vous voulez me consommer, vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes. Vous pouvez venir en concert à Paris, par exemple, si vous êtes parisien ou si vous voulez venir à Paris, à La Cigale le 20... Marie. En novembre. En novembre. Autour en du novembre. 20. Autour du 20. 28 novembre. Et puis en tournée après, et puis sur Internet, parce qu'il y a tout. Sur Internet. Allez regarder le documentaire aussi, si vous voulez en savoir un peu plus sur Mathieu. Et tout, je ne sais pas si tous les clips de tes chansons sont sur la chaîne YouTube, mais il y en a pas mal. Si, ils sont tous Pareil, Mathieu Bogaerts. Je ne sais pas comment on prononce officiellement, comment en français. Alors, quand j'étais enfant, je disais Bogaerts. Et puis un Bogaerts. Jour, mon grand-père paternel, donc, m'a dit, mais on dit pas Bogaerts, on dit Bogaerts. Donc Bogaerts. Depuis, je dis Bogaerts. Ok, mais il y a un E. Après le A. Bogaerts, but with an E in the middle. Allez sur sa chaîne YouTube, retrouvez le documentaire et toutes les clips là-dessus. Mathieu, merci d'être venu jusqu'à là, au moins pour la première partie. Ça me fait bien plaisir. On va finir les ça sushis. M'a juste coûté 1h30 de City Scoot, mais c'est pas grave, ça sera. T'envoies un email et puis au moins fait. Hey, on fait un peu de la pub avec eux, avec le casque, ouais. Et tout ça, donc et tu t'envoies le lien de ça et ils vont dire, ah ok, bah vu qu'on a fait la promo pour City Scoot, on oublie l'heure et demie. Ladies and gentlemen, on se voit bientôt la semaine prochaine pour ceux qui nous rejoignent pas sur Patreon, et pour ceux sur Patreon, on se voit dans quelques minutes. Bisous, bye. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickhead soon for another episode.